여아를 납치해 인근 공사장으로 끌고 가 성폭행한 혐의를 받고 있습니다. Écoutez, l'an dernier, le FFCP nous avait traumatisé avec Silence. Cette année, nous bouleverse une fois de plus sur un sujet un peu similaire avec le groupe. Voilà, c'est forcément douloureux, c'est forcément intense. Moi, je trouve que c'est très bien joué. La petite, elle joue merveilleusement bien. Enfin, les trois. Papa, la maman. Un scénario, enfin, moi, j'ai fait que pleurer, mais c'était magnifique. C'est très émouvant. Très émouvant. C'était une grande surprise, là pour le coup c'était un drame et c'était vraiment bluffant au niveau du scénario, au niveau de l'émotion. Oui, c'était bien. 울리려는 신파 영화가 아닌가 걱정을 했는데 그게 아니라 감정의 절제도 잘 돼 있고 그리고 또 뭐 너무 폭력적으로 그 사건을 그리지 않은 것 같아서 되게 좋았어요. 저는 뉴스까지 나와가 맨날 사람들이 다 알아보면 우리 소양을 어쩌면 우리 애들 아버님 되시죠? 인터뷰 좀 할 수 있을까요? Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touchée. Et ce que j'ai aimé, il y avait un peu d'humour et en fait, c'était très triste. Tout le monde a beaucoup pleuré dans la salle. Je trouve ça très émouvant et puis très bonne énergie en fait pour la société. 영화 너무 재밌었는데 슬퍼서 죽을 것 같았어요. 네, 근데 감동도 있고 재미도 있고. ね、예전에 구름을 벗어난 날처럼이란 영화 할 때 프리프로덕션에서 제가 밑에서 일을 했었거든요, 잠깐. 그래서 그때부터 개인적으로 좀 알고 있었어요. C'est bête de dire comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une petite fille qui retrouve le sourire? Voilà. Je trouve l'ouverture très sympathique, il y a beaucoup de monde et une très belle édition. Moi j'ai vraiment adoré et j'espère que la suite du festival sera d'aussi belle qualité parce que c'était vraiment sensationnel. Quoi.